Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT1, un journal avec une grande fête puisque c'est le dernier avant ce match de Coupe de France, FCAT Valenciennes, et j'ai le plaisir de retrouver notre président qui était parti dans le sud, Qui te n'est-ce pas? trépigne la patience d'intervenir. Ah mais il tape du Il pied tape du là pied. ce soir, il tape du pied et en plus il y a un nouveau prompteur, ça le perturbe. Oui, non, mais c'est sûr, de toute façon j'ai perdu le soleil, mais j'ai retrouvé vos sourires. Donc c'est le couple infernal, je vous appelle le couple infernal du FCAT. Vous avez changé de prompteur, mais vous lui avez toujours pas mis de cheveux. Effectivement, ce soir, Hervé le prompteur n'est pas là, mais c'est Denis qui est là, en espérant que Denis soit compétent, puisqu'on va passer tout de suite au résultat du week-end avec toi, Fred. N'y arrivera pas. Allez, on commence avec les U15. C'est par une victoire de la PH 6-1 en déplacement à Tinqueux. Victoire de la 2 face à l'ESNA 6-0. Et match nul 2 partout de la 3 face à Nord-Est-aux-Bois. En U17, victoire de la PH face à la Chapelle-Saint-Luc 2, 3-1. Et victoire de la 2 face à Seine-Barse 3-2. En U19, défaite de la DH 5-0 face à Sedan. En féminine, les défaites des U18 face à l'Estaque 7-1. Et en senior, défaite de la R3 2-0 face à la réserve de Cézanne cet après-midi à Pont-Sainte-Marie. Et victoire de notre équipe Fagnon 3-0 contre Sainte-Anne de Reims. Encore une belle victoire pour notre équipe Fagnon. Je pense que les points sont bons à prendre puisque Saint-Mémin a perdu aujourd'hui. C'est dommage pour nos amis de Saint-Mémin, mais ça nous arrange, nous, mine de rien. Oui, c'est sûr, oui, c'est dommage pour nos amis de Saint-Mémin qui, a priori, avaient fait un match exemplaire le week-end dernier, d'après ce que j'ai vu sur la presse. En ce qui concerne le match de cet après-midi, on craignait le match de cet après-midi parce qu'on se demandait si les joueurs n'allaient pas avoir la tête à cet événement exceptionnel qui se prépare. Mais on a fait un match sérieux. On a marqué très rapidement. Martin, avec son adresse habituelle, a marqué dans les premières minutes. Et puis on a marqué un deuxième but que je n'ai pas vu parce qu'il pleuvait à ce moment-là. J'étais allé chercher les parapluies dans ma voiture. On a marqué aussi rapidement. Donc on est 2-0 à la mi-temps. Par contre, c'est un terrain compliqué. C'est un terrain synthétique. Donc il avait plu. C'est une surface excessivement rapide. On n'a pas eu la possession de balle. Et on a quand même pris deux tirs sur un tir sur les poteaux en première mi-temps et un tir sur la perche en deuxième mi-temps. Donc ça a été un match sérieux, mais compliqué. Et on a eu de la chance parce que notre gardien aurait pu prendre un rouge parce qu'il a fait une sortie musclée devant un attaquant. Et puis, mais donc voilà, on est content. Parce que 3-0 à Sainte-Anne, 8 jours avant ce match exceptionnel, je pense que c'est d'une grande satisfaction. Juste avant ce match face à Valenciennes, mais toi Fred, que penses-tu justement de ce résultat? On savait que ça allait être compliqué. Le match d'avant, le match d'après va être compliqué également, puisqu'il y aura forcément un après Valenciennes. Comment il faut préparer ça d'après toi? Bah, très honnêtement, c'est vrai que comme disait le Prezi, je redoutais un peu le match contre Sainte-Anne parce que je me mets à la place du joueur qui se prépare autour de Coupe de France contre Valenciennes. C'est quand même pas une chose simple à intégrer. Et je craignais beaucoup que les psy, le psycho soit pas là et qui voilà qui passe à travers de ce match. J'étais très content d'apprendre le 3-0 et forcément, voilà, ça fait du bien et au moins ça nous permet de garder le cap en championnat. Parce qu'on aurait pu perdre des points aussi bêtement du fait de ce tour de coupe. C'est vrai que c'est pas simple pour les joueurs parce que c'est sûr que c'est quand même Valenciennes, c'est quand même une Ligue 2. À notre niveau, c'est quand même un truc exceptionnel. Donc, bah, félicitations à eux déjà, premièrement pour leur victoire et puis d'avoir tenu le choc psychologiquement. Voilà. On va en arrêter là pour nos seniorins, mis à part pour l'organisation, parce qu'il y a une organisation qui dit match exceptionnel, dit organisation exceptionnelle, une organisation qui n'est pas forcément suivie par tout le monde, puisque cette organisation devrait être départementale, mais bizarrement, certains organismes,
ne suivent pas forcément cette manifestation. Ça va être les premiers certainement à venir voir le match gratuitement sans vouloir aider le club. Non, je dis ce que je pense. Oui, je trouve ça un peu dommageable parce que c'est vrai que la Ligue a reporté tous ces matchs, tous les matchs qui se jouaient le samedi, et donc ça joue le dimanche pour tout ce qui est équipe de Ligue. Par contre, c'est vrai que les matchs sont maintenus le samedi en district. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. C'est bien dommage. Jean-Pierre, je vois que tu m'as tiré la manche. Oui. C'est peut-être un sujet à ne pas parler, mais je pense qu'il faut en parler, puisqu'aujourd'hui, le club n'est pas forcément le département, mais je pense que le club voit aussi par rapport au football départemental. Oui, non, mais je pense que on est en train de bâtir un club quand même d'une envergure remarquable. Et je pense que ça doit être une fierté pour l'ensemble du département et aussi pour les gens du district qui donc. Mais je crois que Robert pourra peut-être donner des éclaircissements parce qu'on a vu le président donc cet après-midi, donc il a donné quand même quelques éclaircissements sur en fait le report des matchs. On verra ça. En revanche, je ne ferai pour le moment pas de pub pour les organismes qui n'aideront pas le football départemental au bois. Voilà. J'ai par contre un message encourageant et ça fait plaisir par rapport au club, puisque il y a quand même eu des belles victoires ce week-end pour le club avec Messoud qui nous a envoyé un message et qui est très très fier de ses joueurs ce week-end. Donc il dit un grand bravo à des joueurs absents en plus pour les vacances ou bien pris par les équipes supérieure. Les deux équipes ont très bien géré la situation avec deux victoires ce week-end. Messoud plus fier que ses joueurs. Un grand merci à lui pour toutes ces informations, puisqu'effectivement ces deux équipes ont été réduites, puisque c'est monté en U19. Les U19 sont montés aussi en senior, mais le travail a été fait et ces deux équipes ont gagné. Et ça fait plaisir d'avoir des commentaires comme ça d'éducateurs d'équipes. On aimerait avoir ça tous les week-ends pour réussir à en parler. Merci à toi, Messoud, d'ailleurs. Oui, merci à Messoud. Et puis, j'ai vu que le prompteur s'était mis au diapason. Ah, il a fait son boulot, hein. et je pense que le prompteur bis, il faut aussi le soigner. Ah, Hervé, il faut qu'il se pose des questions, maintenant. Hein. Bon, Hervé, le prompteur, était effectivement ce week-end en repos. Il avait son week-end de repos, un week-end par an, je pense que c'est pas mal. On se retrouve juste après cette petite pause pour continuer de parler de nos équipes seniors et surtout de ce match de Coupe de France. On a aussi des places à vous faire gagner pour ce match de Coupe de France. On a 4 places, nous, dans le journal, c'est exceptionnel, puisque très peu de places seront disponibles en invitation. Donc, non, mais nous, 2x2, c'est pas n'importe quoi, c'est 2x2 places. 2x2 places, on a la chance de faire gagner des places dans le journal et sur notre page Facebook, donc on vous raconte tout ça juste après. À tout de suite. Je sais très bien que 2x2. Donc comme tu l'as annoncé tout à l'heure, Fred, défaite des U19 5-0 face à Sedan. Sedan, club ancien pro, forcément costaud chez les jeunes. On va donc recevoir Tom Costa qui va nous rejoindre pour parler un peu de ce match. Une défaite... salut Tom, pardon. Bonjour. Une défaite 5-0 face à Sedan avec une équipe quelque peu réduite. Puisque les seniors 2 ont été renforcés pour renforcer aussi les seniors 1, c'était assez compliqué pour vous aujourd'hui. Bah oui, on était justement en faiblesse parce qu'ils nous ont pris certains joueurs, mais on a essayé, on n'est pas fiers de ce résultat parce qu'on est arrivé là-bas, on voulait obtenir, ramener des points forcément, on voulait bouger cette équipe de Sedan, mais ils étaient bien en place, et on n'était pas assez agressif, que ce soit au milieu ou en défense, et on laissait trop d'espace, et quand une équipe comme ça, on paye cash. Ça a payé cash, justement. En revanche, au niveau de la saison, quand vous êtes au complet, ça cartonne pas mal, quand même. Ouais, bah, quand on a une bonne équipe, on est bien soudé, on s'entend très bien, il y a des bonnes combinaisons, on peut mettre plusieurs buts,
pas de problème. Quand on a une bonne équipe, on est bien costaud. Fred, toi, sur l'ensemble du début de saison de CU19, c'est quand même pas mal, ça tourne, ça joue. Les résultats sont là, mis à part là, on l'a vu, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, sur cette formation senior 2 qui a eu du mal aujourd'hui aussi, puisque effectif réduit, les vacances peut-être, puisque le FCAT est quand même un club jeune avec des joueurs jeunes. Mmh. Oui, c'est un club jeune et c'est sûr que le problème entre guillemets de U19, c'est comme celui qu'on va retrouver avec la R3, et forcément ça va servir de soit pour alimenter la R1 ou soit les U19 pour alimenter la R3. Mais ça, on le retrouvera jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que c'est compliqué d'une part pour les coachs, d'une autre part pour les joueurs aussi, parce que forcément il y a des enchaînements, des tactiques qui se font, et forcément c'est difficile quand on change de groupe régulièrement. Donc c'est vrai qu'après, c'est à eux de maintenir le cap et puis d'être là au bon moment. Quoi. De multiplier les efforts pour réussir. C'est là où c'est très compliqué, mais c'est vrai que j'ai eu le cas, j'ai assisté au match contre Épernay ici, là, avant Sainte-Marie. C'est vrai que j'ai trouvé que ça jouait pas mal. Épernay, je crois qu'ils sont premiers même. Franchement, on aurait pu les battre, hein, très honnêtement. Je sais qu'on a perdu 2-3-0, je sais plus, quelque chose comme ça. Et au nombre d'occasions, je crois qu'on peut les battre. Donc après, voilà, c'est peut-être un déclic qu'il faut aussi au moment où, voilà, qui va un peu les galvaniser et puis faire en sorte que ça se passe mieux au fil de la rencontre, quoi. C'est surtout ça. Et toi, Tom, comment vois-tu justement la suite des événements, puisque on sait toujours qu'en début de saison, et c'est ce qui se passe régulièrement, il y a beaucoup de monde. Au fur et à mesure de la saison, il y a des blessés, des suspendus, des joueurs qui partent. Donc ça va être, c'est toujours le petit point compliqué justement des équipes. Comment tu envisages toi la suite de la saison avec les U19, avec un effectif qui peut être réduit régulièrement? Justement, il faut réussir à s'adapter, parce que on sait qu'aujourd'hui on est une trentaine à peu près pour une seule équipe. Donc on sait qu'il y a beaucoup de concurrence, et justement il faut se défoncer à chaque entraînement, il faut donner au mieux pour l'équipe, et quand on joue il faut être à fond aussi, et on sait qu'on a des bons remplaçants aussi, donc je pense que ça fera l'affaire pour la saison. Donc comme quoi on peut réussir à réduire un peu les U19 pour aller au bout des choses. Il y a quand même Erdal, c'est ça, hein, Erdal qui est avec vous en permanence, Erdal qu'on reçoit régulièrement dans le journal. Qui est tout le temps derrière vous, comme derrière beaucoup d'équipes. Je pense qu'au niveau du staff technique U19, il y a quand même du lourd. Ouais, franchement, Erdal, c'est un très bon coach. Il est toujours là à nous soutenir. Il est souvent à nous critiquer, mais ça, c'est positif, parce que c'est comme ça qu'il nous encourage, lui. Et c'est lui qui nous pousse pendant les matchs. C'est lui qui nous motive. Et c'est très bien d'avoir des coachs qui nous poussent comme ça. Eh ben très bien, merci à toi Tom d'être venu. Ça permet d'avoir un petit peu de U19 dans le journal, c'est rare, hein. N'hésite pas à dire à tes copains de venir, puisque dans le journal il y a de la place pour tout le monde, donc pour tes copains, comme pour les seniors 2, les seniors 1 et tous les gamins du club. Effectivement, le dimanche c'est pas facile pour tout le monde, puisque pour les gamins c'est journée en famille, mais on est bien sûr ouvert à voir... Les petits ici, on baisse les tables, la caméra, et puis on partage des chaises. Oui, on met des chaises, on partage de bons moments avec eux. Merci à toi, Tom, d'être passé dans le journal. On te souhaite une bonne continuation dans cette saison, et puis à tous tes potes d'équipe aussi. À très bientôt. Merci à toi d'être venu. Voilà, merci à Tom d'être passé dans ce journal. On va du coup reprendre le président avec nous, et puis peut-être Robert Bourlon qui est présent aussi ce soir, qui va rejoindre la table. Tu peux venir. Mais non, mais Robert également. Faire avec Robert, il est trop grand ce garçon-là. On va plus me voir d'ailleurs. Mais t'inquiète pas. Ça fait les Dalton. Et puis il y a le crâne du prompteur là qui brille. Donc. N'hésitez pas à vous resserrer un petit peu par là, Robert également. Robert, ouais. Voilà, bon, on a eu Tom juste avant en U19. Les U19 réduits, comme Tom l'a dit, pour compléter les seniors 2 et les seniors 2 qui ont complété les seniors 1.
Jean-Pierre, pour toi, c'est normal ça. Oui, mais ça, c'est la promotion interne du club. Et puis, c'est bien que les joueurs aient des expériences au-dessus. Ça va les faire grandir. Évidemment, ça crée des failles aussi dans les effectifs. Et donc, il faut que les entraîneurs s'habituent, enfin, les entraîneurs éducateurs s'habituent à ce que qu'ils aient des groupes qui changent toutes les semaines. Ça, c'est le propre d'un grand club. Bon, on va tirer un trait maintenant sur CE19. Il y a un match important à préparer, je pense, samedi 14h, pour le début du match, mais bien avant pour les bénévoles qui vont être bien importants. je pense que toi, Robert, t'es bien placé pour en parler. Il y a besoin de monde, de supporters. Je te laisse la parole. C'est sympa. Mais avant d'en arriver là, je voudrais quand même vous donner un petit peu l'historique de la Coupe de France. Il faut savoir que, au niveau des engagements qui sont effectués auprès de la Fédération Française de Football, la Coupe de France, cette année, est composée de 10 000 clubs qui s'inscrivent, justement, dans cette fameuse compétition. Et le 7e tour, on dit 7e tour, effectivement, parce que la Ligue 1 n'est pas rentrée, la Ligue 2 elle rentre, bien évidemment, puisqu'on va rencontrer Valenciennes. Alors, c'est un pré-64e. Exactement, ouais. Tout à fait. Alors, près 64e, 128. Voilà, ça fait que quand on regarde un petit peu tous les clubs qui sont éliminés déjà à ce jour, c'est déjà une performance justement qu'on peut se targuer d'obtenir. Mais on l'obtient pour la deuxième fois. La deuxième fois, c'était pas au nom finalement de. La première fois, c'était pas au nom du FCRT, c'était au nom de la SRC. Et la SRC avait rencontré en pré-64e, parce que j'y tiens énormément, n'est-ce pas? Et on avait rencontré la Ligue 2 d'Épinal, où l'entraîneur était Zonlink. Et on avait battu au 6e tour Saint-Dizier, qui à l'époque justement était en CFA, et était entraîné par Zavarov. Ceux qui connaissent le football, c'est quand même un garçon de nationalité russe, bien évidemment, qui a évolué très très longtemps à la Juventus de Turin, n'est-ce pas? Et il était entraîneur de cette équipe. Et je vous cacherai pas qu'à la fin du match, il n'était pas très fier, puisque nous avons gagné au tir au but. Et je le donnerai justement, et je lancerai un petit peu l'anecdote, je vais remercier Daniel Vasselet, à l'époque qui était président au niveau de l'Estac, et qui m'avait téléphoné un soir en me disant « Robert, te casse pas la tête, compte tenu qu'on va jouer nous à Corbeil, parce qu'effectivement, l'Estac était en Ligue 2 à l'époque, donc ils évoluaient à Corbeil ce soir-là, et il me dit « Je m'occupe de tout, tu te casses pas la tête, tu auras le stade de l'Aube, tu payeras pas d'éclairage, bien évidemment, en contrepartie, on a laissé la buvette, mais enfin, c'était au mois de décembre, mais il faisait peut-être moins 2, moins 3. Ils ont dû boire des cafés, c'est certain, mais enfin, des bières ou le champagne, non. Par contre, nous, le champagne, on l'a bu après. Bon, on a essuyé une défaite, c'est certain, on a dû en prendre 5, mais c'était très valorisant pour nous. Et là, je ferai un clin d'œil à Christian Blandino, parce qu'à l'époque, c'était lui notre président. Donc, c'est Épinal, on en a pris 5. Je suis persuadé qu'on en prendra moins contre Valenciennes, n'est-ce pas? Alors, je veux être bref justement dans cette intervention. Simplement que toutes les personnes qui sont dirigeants, qui sont bénévoles, qui ne sont pas directement concernées justement par le FCRT, mais si vous leur donnez un coup de main, qui m'appellent, vous savez mon numéro, je le communique à beaucoup de personnes, je vais vous le confirmer ce soir, 06 26 78 24 76, si vous voulez jouer un rôle pour le FCRT à l'occasion de ce 7e tour de la Coupe de France contre Valenciennes, rappelons que Valenciennes c'est quand même un club extrêmement important au niveau du football français, ils sont pros, ils ont évolué en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Et puis je vous donne tous rendez-vous 14h, mais venez avant quand même, parce qu'à mon avis ça va bousculer quand même vos entrées. Rendez-vous à 13h30 au stade Bianchi, mais le stade Bianchi, je vous le confirme, c'est à Saint-André-les-Vergers. Un petit clin d'œil justement pour le maire de Saint-André, on est fiers justement de lui offrir une telle opposition.
On compte sur vous. Il l'a dit. On compte sur vous, et oui, effectivement, c'est le message. On compte sur vous pour... Robert est déjà parti, hein. J'espère que Jean-Pierre, toi, tu restes avec nous. On compte sur vous pour cette Coupe de France. Un match très, très important. On a quand même... le club a tout fait pour décaler tous les matchs du club, que ce soit Ligue ou District, Jean-Pierre, pour faire de cette journée une fête du club. Mais il faut que ce soit la fête de tout le club. Et donc, il faut que tout le monde participe à cette grande fête. Et que le département puisse le faire, et pas que le département, puisque sur les réseaux sociaux, il y a quand même le président de Cézanne qui nous a demandé des informations pour lui partager et venir nous supporter. Donc, comme quoi, l'ampleur est même pas départementale, mais régionale. Oui, ben, je pense que c'est un très gros impact. Donc, à nous d'en profiter tous. À nous de profiter de ce moment-là. Il ne faut pas qu'on stresse. Il ne faut pas que... Et puis, il ne faut pas qu'on fasse d'histoire. Parce que Robert nous dit près 60, je ne sais pas quoi. Nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on veut, nous. Ce qu'on veut, c'est 32e de finale. C'est d'abord gagner le championnat et 32e de finale. Donc, voilà. Bon, on verra bien. Oui. Mais de toute façon, vous savez, un match de foot, c'est un match de foot. Hein. Exactement. Bon. Et puis c'est déjà beau d'arriver contre une équipe comme ça, pour le club, pour les gamins. Moi, je pense aux gamins qui vont justement être présents ce jour de match face à une Ligue 2. Ils ont les couleurs de leur maillot face à une Ligue 2. Oui, je pense que c'est, encore une fois, c'est valorisant pour tout le monde. C'est valorisant pour l'ensemble du club. C'est valorisant pour l'image du club. C'est un club qui est toujours en construction. C'est un club qui a besoin d'aide, et donc que toutes les instances du football nous donnent un coup de main. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et donc il faut que ce soit avec... Tout le monde participe. À savoir que c'est tellement un match important que aux entrées, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Toi, Fred... qui est justement très investi sur ces choses-là, on ne pourra pas faire rentrer qui on veut, c'est la Fédé qui décide ce jour-là. Oui, tout à fait. Bah, comme tout club qui arrive à un certain niveau, en fait, on a des règles qui sont instaurées par la Ligue, et puis là, voire même au niveau national, par la 3F, et donc qui nous impose un certain nombre de places au niveau des invités, au niveau des invités donc extérieurs, de la Ligue, de la 3F et du club. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas n'importe quoi. Le prix de l'entrée est 10 euros, donc, et ça a été validé par la 3F. Donc c'est pas 10 euros pour rien. C'est pas 10 euros pour rien, parce que déjà ça va être que 9 euros, parce qu'il y a quand même 1 euro qui est reversé au Téléthon. Et donc ça sera que 9 euros. Les arbitres aussi. Il y a les arbitres. Les délégués. Il y a enfin toute l'organisation aussi qui est quand même exceptionnelle pour ce match-là. C'est vrai qu'on demande à ce qu'il y ait un maximum de bénévoles pour venir nous aider aussi, parce que ça va pas être simple ce jour-là à gérer tout ça. Donc je fais un appel à tous ceux, à toutes les âmes charitables qui seraient là le samedi 11. À venir nous donner un coup de main, et puis au moins vous verrez le match. À savoir que les bénévoles voilà. Ne paieront pas l'entrée. Hein. Donc voilà, au-delà de tout ça, voilà, on a besoin de monde, et voilà. Et les entrées sont payantes. À savoir que tu as peut-être quelque chose à rajouter là-dessus, oui, Jean-Pierre. On sait même qu'il y a des joueurs de l'Estac, dont Benjamin Nivet qui va venir au stade, je crois, avec ses enfants. Et puis d'autres joueurs de l'Estac qui vont venir. Donc c'est quand même un impact considérable. Donc il faut que ça se passe dans la joie, dans la bonne humeur. Ah, on va pas stresser, il faut... Voilà, c'est une fête avant tout. Il faut qu'on sourie. Voilà. Et donc, moi je vais quand même vous adresser des félicitations. Parce qu'en fait, vous avez assuré la promotion de ce match-là, avec talent. Donc vous êtes des garçons dont on a besoin, donc restez avec nous.
Mais... restez avec le FCAT et on gagnera avec vous et avec le FCAT. Et on compte. Et on a besoin de tout le monde. Et on compte sur vous. Bah, en même temps, Noël arrive bientôt, donc on veut nos cadeaux et on n'a pas le choix de la jouer comme ça avec toi, Jean-Pierre. Bon, bref. Juste pour dire que toutes ces entrées seront payantes, mais 4 entrées. Ah. Seront offertes. 4 entrées qui deux seront. 2 fois 2 entrées. Qui on seront. Moi tout à l'heure, mais c'est 2 fois 2 entrées. C'est bien 2 fois 2 entrées qui seront dans le jeu sur la page Facebook. 2 fois 2 entrées. On va dire, le règlement sera mis et publié en même temps que ce journal pour réussir à gagner ces 2 entrées. 2 personnes auront la chance d'emmener quelqu'un pour ce match. Et je rajoute, moi personnellement, une boisson à chacun en plus à l'intérieur du stade. Oui, mais oui, mais oui. Il y a Robert qui est en face de toi. Mais non alcoolisé. De toute manière, Robert, nous n'avons pas le droit de servir des boissons alcoolisées lors de cette rencontre. Donc, je rajoute une boisson pour chaque entrée, ce qui veut dire 4 boissons, et c'est pour ma pomme. Comment on fait pour gagner? Comment on fait pour gagner? C'est simple, il suffira de partager la publication du journal avec le jeu et d'identifier sur la page Facebook, donc en commentaire, la personne avec qui vous souhaitez aller au match. Et à partir de là, il y aura un tirage au sort et je demande au président qui est là ce soir que ce tirage au sort soit fait lors de l'Assemblée Générale. Qui se déroulera vendredi. Comme ça, au moins, c'est quelque chose d'officiel. Voilà, puis on communiquera les noms. Est-ce que c'est possible, monsieur le président? Mais écoute, de toute façon, vous n'avez que de bonnes idées. Donc, je ne peux que vous féliciter. Donc, ce soir, c'est le soir des félicitations. Profitez-en. Donc, on peut faire le tirage au sort le vendredi soir, à savoir que le vendredi soir, le tirage au sort aura lieu et que le dimanche, le samedi, pardon, le match sera là. Donc, on s'organise le samedi matin pour réussir à vous distribuer les places. On vous attendra, bien sûr, Fred et moi, à l'entrée du stade pour vous faire rentrer et puis vous offrir cette boisson gratuite avant ce match de dingue. De ouf. Je sais même pas comment finir ce journal, ouais. Puisque c'est la première fois, moi, que je vis ça. Si, on a juste... Prochain, non, mais ça, je le sais. Ah, bon. Ça, je le sais, mais j'attendais que Denis commence à se réveiller, parce qu'aujourd'hui, c'est Denis le prompteur, et Denis le prompteur qui va nous afficher les matchs du week-end prochain avec toi, Fred. Donc, les rencontres Ligue du samedi ont été reportées, et malheureusement, à l'heure où je vous parle, ça jouera en district. On commence par les U15 et la 2 qui recevra l'Étoile Chapelaine samedi 11 à 15h, et la 3 se déplacera à Vaudoise-Viret à 15h également. En U17, la PH ira à l'ASVPO dimanche 12 à 10h et la 2 recevra Footsen samedi 11 à 14h30. En U19, la DH reçoit Tourne-Rhinvez dimanche à 12h45. En féminine, la DH reçoit Villers-Semeuse dimanche 12 à 14h30. Et enfin, le match, ai-je besoin d'en parler à nouveau? 7e tour de Coupe de France, samedi 11 novembre à 14h au stade de Jean Bianchi à Saint-André-les-Vergers. Le FCAT reçoit Valenciennes Club de Ligue 2. Voilà. Il paraît que c'est un grand match. Hein. Il paraît. A priori, ils en ont parlé sur les Stéclairs, hein, d'ailleurs. Même sur Canal 32, il n'y a que le district qui n'en parle pas, je crois. Mais sinon, tous les médias en parlent. Hein. Oui, si vous le dites, c'est parce que vous êtes branché. Même les stacks en parlent. Oui, mais la preuve, c'est qu'il y a des joueurs de l'Estac qui vont venir. C'est sympa, ça. Par contre, a priori, les matchs de Ligue sont reportés, mais pas ceux de district. Bah, pour l'instant, les matchs de district ne sont pas reportés. Voilà. Désolé, Robert. Je tenais à le dire. Voilà, je vais terminer mon journal là-dessus. Merci à la c'est Ligue. C'est pour ça que j'ai précisé, à l'heure où je vous parle, les matchs de district ne sont pas reportés. Mais ceux de Ligue le sont. Voilà. Et ben voilà, on compte bien sûr sur vous. Il va y avoir un jeu cette semaine. Il va falloir partager au taquet et venir bien sûr au stade, même si vous ne gagnez pas ces invitations. On sera là pour vous accueillir. Beaucoup de monde d'ailleurs, puisque ça va être beaucoup de bénévoles, hein, monsieur le président. Oui, il faut énormément de bénévoles, mais ça va être une répétition. Parce qu'a priori, on va quand même avoir la JND. Et on va pas de Valenciennes, donc derrière, il faudra être encore... Non, c'est pas ça, mais c'est parce qu'en fait, une répétition pour rassembler des bénévoles. La Journée nationale des débutants, monsieur le président. Voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Bon.
Bon. Donc, vous, félicitations, jeunes gens. Félicitations, notre animateur vedette. Félicitations au nouveau prompteur. Félicitations au caméraman. Et on compte sur vous. Mais ça, on va le faire à la fin. Reste avec nous, on le dira à la fin, on compte sur vous. Merci à tous de nous suivre chaque semaine. Merci à tous d'être actuellement sur la page et de publier énormément, puisque la page en ce moment est dans tous les sens et ça fait du bien de voir ça. On voit que le FCAT évolue et on le voit par rapport à vous et par rapport à vos partages, vos commentaires. On compte bien sûr sur vous le week-end prochain pour ce match de Coupe de France, mais tout au long de la semaine. Mais surtout, maintenant, je vous dis au revoir. Et nous trois, on compte sur vous. On compte sur vous à samedi. Salut. Salut.